Voilà. C'est elle. Comment tu la trouves? Comment elle s'appelle? Cléo. Comment tu la trouves? Pas mal. C'est tout? Pourquoi je l'ai jamais vue ici? Pour pas compliquer les choses. Donc c'est à cause de moi si elle est pas ici ce soir? Non, on se voit pas forcément tous les soirs. De toute façon, maman m'avait déjà parlé d'elle. Ah oui? Ouais. Elle trouve qu'elle a l'air ordinaire. Elle a vraiment dit ou tu viens de l'inventer? Non, non, elle a même dit franchement ordinaire. Franchement ordinaire? Ouais. Tu sais, moi je te dis ça, mais je m'en fous. Hein. Je te répète ce que j'ai entendu, c'est tout. Bah, puisque t'as commencé, continue. Qu'est-ce que t'as entendu d'autre? Rien d'intéressant. Qu'est-ce que tu fabriques? Je me mets de la crème. Tu te mets de la crème? Ben ouais. J'ai quelques petits problèmes. Je suppose que c'est indiscret de te demander quel genre de petits problèmes tu as? Oui, ce serait indiscret. En fait, j'ai quelques petits problèmes avec mes seins. Ah? Oh ben j'en ai un qui est en retard sur l'autre, c'est un peu disgracieux, c'est tout. Et t'en as parlé à ta mère? Tu me vois parler de ça avec maman? Tu sais, à ta place, je m'en ferais pas trop pour si peu de choses. À ton âge, c'est courant. Bah non, justement. Allez, on éteint. Qu'est-ce que tu fiches? Hein? Rien, je... Un soutien-gorge. Qui ça? Bah Cléo, évidemment. C'est comme ça qu'elle s'appelle, non? Tu me demandes quelle taille elle fait en soutien-gorge? C'est ça que tu me demandes? C'est ça, ouais. Bah, j'en sais rien. Son tour de poitrine, tu le connais au moins? Son tour de poitrine? Oh, bah, non. Tu dois bien avoir une petite idée, comme ça, au pif. Au pif? Oh, 2m20. T'as rien, t'es pas blessé? T'as vu ça, il m'a carrément poussé dehors, cet enfoiré. Ah oui, j'ai vu, t'as rien. Non, non. Il va aller mal dans 2 minutes, ça je te le promets. Ah.
s'est passé? J'ai fait un tonneau. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti, il a fait un tonneau. Il est blessé? Hein? Elle demande si t'es blessé. Allez, fracture ouverte de mon ego. Hein. Il dit qu'il a une fracture ouverte de son ego. De ce côté-là, faut pas s'en faire pour lui. Il cicatrise. Bien, bien. Cléo, tu crois pas que ça suffit comme ça, non? Hein? Madame, tu voudrais lui demander quand elle a l'intention d'arrêter son numéro? Il demande quand elle a l'intention d'arrêter ton numéro. Quand il cessera de me cacher comme une pestiférée chaque fois qu'il doit recevoir sa femme fleur. Elle a dit quand tu cesseras. Ça va, j'ai compris, merci. Il a dit bon, ça va, j'ai compris, merci. Heureusement, Tav. Et je te préviens, elles sont déchaînées. Les patins, j'en rêve. Assieds-toi, Jean-Noël. Elle arrive dans 2 minutes. Vous pouvez m'excuser, je suis en retard. Bon appétit. Déjà fini de... Oui, il avait faim et puis il t'attendait depuis plus d'une heure. Je suis désolé, j'ai eu un petit problème de voiture. T'as fait un carton? Non. Une petite touchette, 2-3 égratignures, un peu de carrosserie, la routine. Jean-Noël, vous qui avez été coureur professionnel, vous n'en avez pas un petit peu assez de ces courses pour amateurs? Oh, alors là, Suzanne, t'as rien compris. Si vous commencez à parler d'ancien temps, des joints de culasse, je prends mon assiette et je vais terminer mon repas à la cuisine. D'accord? Je parle joints de culasse, comme tu dis, exactement 2 fois par mois, quand Jean-Noël vient chercher Manu. Eh bien, pour moi, c'est 2 fois de trop. Ça m'agace et ça me coupe l'appétit. T'as vu l'heure? Oui, il est exactement 7h22 et ça fait 10 minutes que j'attends. C'est gonflé, hein? Fais gaffe, il y a ta sonde qui est tombée sur la moquette. Hein? Oh, pardon. Manu, tu as le céré que je t'ai préparé? Oui, maman. Jean-Noël? Oui? Tu peux dire 2 mots, s'il te plaît? Bien sûr, ma chérie. Je n'en ai pas parlé à table parce que ça ne regarde ni Manu ni mes parents, mais je crois qu'on a un petit problème à régler. Ah bon? Un de plus? Oui, un de plus. J'ai toujours pas reçu la note du dentiste de Manu. Excuse-moi, mais on s'était mis d'accord, c'était toi qui devais la payer, celle-là. Ben dis donc, on peut dire qu'elle a pris un sacré coup, la coccinelle. Ça, évidemment, ce sont tes frais prioritaires. Tu veux qu'on parle de tes frais prioritaires? C'est vrai que c'est tout à fait indispensable de dépenser ton fric pour me faire suivre par un détective à la con. Chacun ses petits plaisirs. En plus, il prend même pas la peine de se cacher. Il fait le pied de grue sur mon trottoir. T'inquiète, okay, c'est très bien ce qu'il fait. Je t'ai proposé 20 fois un divorce à l'amiable. Pourquoi tu joues ce jeu-là? À quoi il sert ce gugus? Demande à ton avocat, il t'expliquera. Bon. Et là, je vais payer la note du dentiste. Noël? Oui. Une petite question encore. Ton top modèle, elle est où? Demande à ton détective. T'expliquera. Je te préviens que s'il m'apprend que Manu a croisé ne fût-ce que pendant 3 secondes, cette fille... Franchement ordinaire, bah oui, je sais. Bonne soirée, ma chérie.
suivi la technique? Je crois. Alors, tu prends de la vitesse, tu braques à fond en tirant d'un coup sec sur le frein à main et tu gardes le pied sur l'accélérateur. Et pendant le tête-à-queue, tu débrayes pour pas caler le moteur. Comme ça, quand tu t'arrêtes, t'es prêt à repartir. Ouais, ça a pas l'air super facile. Hein. C'est une question d'entraînement. Allez, prends ma place. Allez. Allez, on y va. J'ai pas osé laisser le pied au plancher pendant le tête à queue. Manu, je vais être franc. C'était parfait. Attention, hein. Interdiction formelle d'employer ce truc-là sur route ouverte. Ça peut te sauver la vie si un jour t'arrives pas à tourner sur la neige ou sur le verglas. Mais seulement en cas de danger, d'accord? Ok, chef. On s'y recolle? Allez, là. Ouais. Contrairement à ce que tu as vu à la télévision, mais lui, un détective privé, ça ressemble à ça. Manu, je te présente Hercule Poirot. Monsieur Poirot, je vous présente ma fille Emmanuelle, que vous avez déjà eue. Je vous signale que c'est avec elle que je vais passer la nuit. Je vous dis ça pour éviter les méprises, vous comprenez? Riez, tavernier, riez. Bonne nuit à vous. Qui c'est ce type? Un détective privé, je t'assure. Et qu'est-ce qu'il fait là? Bah, il est de faction pour me faire prendre en flagrant délit d'adultère. Et c'est quoi un flagrant délit d'adultère? Un flagrant délit d'adultère, Manu, c'est quand on se fait pincer au lit par les flics entre 5h et 9h du matin, en compagnie d'une dame avec laquelle on n'est pas marié. Et pourquoi entre 5h et 9h du matin? Tu demanderas à ton avocat. Là, c'est maman qui l'envoie? À ton avis? Bah, quoi ça lui sert? Bah, essayer d'obtenir le divorce avec tous les torts de mon côté. Ça changera quoi? Par exemple, je devrais lui verser une pension alimentaire jusqu'à la fin de mes jours. Mais c'est ridicule, chez papy, elle paie rien pour le logement, rien pour la bouffe. En plus, il lui donne 60 000 balles tous les mois. Ton grand-père verse 60 000 balles à ta mère, toi et moi. Ouais, ouais, puis en plus, il paye tout pour sa bagnole. Dis-moi, si j'habitais ici avec toi, t'aurais pas de pension alimentaire à payer à maman? Ah. Bah oui, mais y a aucun rapport, tu sais. Tu vives chez elle ou pas, si je perds le divorce, je devrais lui verser une pension. Si j'étais à ta place, je me laisserais pas faire. Oui. T'as une jouquin en retard sur l'autre? Ouais. Au lieu de dire des conneries, regarde. Il y a un truc pour toi, là. Alors, à vendre, Porsche 911 Turbo Rallycross, 650 chevaux, 3 trains de pneus plus pièces de rechange. Prix 3 500 000 francs. 3 millions et demi, t'appelles ça un truc pour moi? Attends. Location par course, 150 000 francs. Tu vois? Ah oui, ça doit être l'ancienne Porsche de la Maquis. Il a fait le championnat l'an dernier avec cette bagnole. C'est une ex-finlandaise. C'est une bonne voiture, non? Ah, vu les résultats la saison dernière, elle doit pas être nulle, hein? Tu devrais la louer. Tu rigoles. J'arrive déjà pour entretenir ma coccinelle. Tu voudrais que je me colle un engin de 3 briques et demi sur le dos? Ouais. Mais t'as pas besoin de l'acheter, écoute. Tu la loues et si tu te places dans les 3 premiers une dimanche du championnat européen, et ben, tu récupères ta mise et tu fais peut-être un petit bénéfice.
Elle oublie ça. Bon. Fred a loué cette voiture. Hé, hey, Manu. Ouais. T'as pour continuer ce que t'as dit tout à l'heure. Hein. Ça te plairait de vivre ici? T'aurais un peu plus de blé, je dirais peut-être pas non. Il est où votre patron? Là-bas. Est-ce que je peux vous aider? Je te téléphone. On vient pour l'annonce, là. À la Fernandez. Est-ce que vous n'avez pas couru pour l'usine Renault, vous? Oui, il y a longtemps, oui. Votre nom, c'est Tavernier, non? C'est ça, oui. Et vous étiez une petite vedette il y a quelques années. Je n'ai plus entendu parler de vous. Vous vous êtes retiré? J'ai froissé de la tôle. Venez, je vais vous la montrer. Par ici. Alors, comme ça, on veut refaire joujou avec les gros cubes. Je sais pas, faut voir. Et comme je vous le disais, hein, c'est une Finlandaise, elle est méchante, vous allez voir. Attendez, je vais allumer. D'ici, c'est déjà pas mal. Hein? Donnez-moi un petit coup de main. Faire tourner. Faites. Cléo? Tu dors? Oui. Cléo? Je voudrais t'entendre dire quelque chose. À quel sujet? Ta gosse, ta Porsche, ta femme, son détective privé. L'heure qu'il est? Il est 4h30, tu dois partir. C'est ça? Et ça m'amuse pas du tout. Non, je te pose une question. Depuis 2 mois, combien de nuits complètes est-ce qu'on a passé ensemble? Je sais pas, écoute. Deux nuits. À cause de ce crétin de détective qui s'incruste partout où on va. Moi, j'ai pas envie de m'empoisonner la vie aussi longtemps que ta femme s'amusera à faire traîner ta procédure de divorce. Discuter de ce problème, on n'a pas vraiment le choix. Mais si, tu as le choix. Tu te déshabilles, tu reviens au lit, tu attends les flics et tu signes le constat d'adultère. Au moins, ce sera une manière rapide de régler le problème. T'as rien de mieux à proposer? Non, malheureusement, pas pour le moment. Puis tu vas me faire le plaisir d'écraser ce cigare qui empeste la chambre. Cléo? Je peux entrer? Léo. J'entre. Tiens, vraiment, à ce qu'on fasse comme tu veux. Allez, viens,
On retourne se coucher. Plus envie. J'ai plus envie de rêver. Enfin, la tête. Tu veux vraiment que je me mette complètement en tort vis-à-vis de ma femme? Qu'elle obtienne le divorce en manœuvrant pour que je ne vois plus ma fille? Mets-toi un peu à ma place. Toi et toi, tu t'es mis à la mienne. Il y a 2 ans qu'on est ensemble, j'ai jamais vu le bout du nez de ta fille. Pourquoi est-ce que je me tracasserais pour tes problèmes avec elle? T'es sympa, là. Tu es trop moche, trop con pour elle, ou quoi? C'est vrai que t'as pas grand-chose pour toi. Arrête, tu tournes tout à la rigolade. Tiens, ta fille, je suis sûre qu'elle sait même pas que j'existe. Si, si. Elle t'a vu. Ah bon? Où ça? J'ai montré la pub, là. Sweetheart. Tu lui as montré cette connerie? Oui. Elle a adoré. Bon. Tu veux pas savoir ce qu'elle a pensé de toi? Si c'est des vacheries, non merci. T'as trouvé magnifique. C'est même pas vrai. Si. Tiens, bah maintenant je suis sûre qu'elle changerait la vie. Tu veux quelle taille en soutien-gorge? Quoi? Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux, toi? Ah bah t'as mis du temps. Ça te plaît? C'est spécial, toi, tu vois. T'aimes pas? Faut s'habituer, hein, c'est moderne. Arrête tes plaisanteries, ça te plaît pas, t'as qu'à le dire. Je vois que pour une fois, on est d'accord. Ah bon? J'ai cru que t'avais supervisé. Non, non, vendredi, mademoiselle est rentrée comme ça de l'école. Elle est allée toute seule chez Axel Mans. T'es allée toute seule chez Axel Mans, toi? Et en plus, elle a payé avec l'argent de poche que tu lui as donné le week-end dernier. Ah bah, et bien sûr, c'est de ma faute. Tu reconnais? Pourquoi tu m'as pas dit qu'elle venait avec nous? C'était ma surprise. Ouais, ben c'est dégueulasse. Bon, viens, je te la présente. Mais pourquoi elle reste là-bas? Elle a qu'à venir. Tu viens pas dans la bagnole? Bah oui, mais moi ça fait une heure que j'attends ici. Tiens, aussi loin qu'on regarde, y a pas une maison, pas un café. Oui, viens. Et puis en plus, j'ai laissé mon sac dans la voiture, j'ai même pas pu fumer de cigarette. Je suis désolé, je suis allé chercher la remorque chez Brabham et puis j'ai compté les cheveux qui restent sur la tête de ma fille. Allez, viens. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Oh, complique pas les choses, je t'en prie, ramène-toi, allez. Je te présente Cléo Lemkovics. Cléo, je te présente Emmanuel. Mon fils. Mais c'est pas drôle! Bah, qu'est-ce qu'il y a? Elle a changé de coiffure, c'est ça? Oh, Emmanuel. Mais tu connais ton père, Richard Riel, là. Moi, je trouve qu'ils sont impeccables, tes cheveux. Qu'est-ce que je suis supposée faire, là? Je tiens merci pour le compliment. Ah non, tu fais ce que tu veux. Bah, alors, je préfère m'abstenir. Bon, bah, comme tu voudras. Hein.
Je comprends pas, il y a personne. Bah, ça m'étonnerait, j'ai pris rendez-vous avec Paluzzi ce matin. T'as frappé? Je fais que ça depuis 10 minutes. Manu n'est pas avec vous? Si, si. Enfin, physiquement, elle est là, mais psychiquement, elle nous fait un blocage. Tout baigne, alors. Tu vois quelque chose? Rien du tout. Je te préviens, Paluzzi, Franu va pas aimer ça du tout. Mais... dis-le qu'il aille se faire foutre. Eh bien, compte sur moi, Paluzzi. Je vais lui faire la commission. Ça... vous avez vu ça, ils ont cassé mon phare. Ah, non, non, non. Ah, ils l'ont bien bousillé, hein. Mais qu'est-ce que je vais raconter, moi? C'est que ça rigole pas au RACB, hein. Est-ce que quelqu'un a retenu leur numéro de plaque, c'est au moins? C'est tombé, ce sont des gens pas intéressants. Vous les remplacerez, moi, votre phare. Il n'y a pas de raison, monsieur, c'est un délit de fuite, ça. Je crois qu'ils ont un petit peu bousillé tes lunettes aussi. Bon, je dépose plainte. Je vais au commissariat et je dépose plainte. Mais arrête, t'en as 50 paires. Peut-être, mais c'est une question de principe. Bon, écoutez, moi, je dois fermer la boutique, hein. Vous réglerez vos histoires de famille plus tard, OK? Alors? Ben ouais, ben, c'est une Porsche, hein. Bah, c'est tout ce que tu trouves à dire. L'idée était de toi, non? La couleur est pas terrible, je trouve. Vous avez pas la même en rose bonbon pour la petite? Bon, bah, puisque t'es là, viens quand même voir si la moquette te convient. À toi l'honneur. Je voudrais surtout pas te gâcher ton plaisir. Ah, moi, c'est déjà fait. Coupe-circuit. Pompe. Non, non, à côté, à côté. T'as mis au point mort. 2 secondes. Démarreur. C'est permis de faire ce qu'il vient de faire, là? Non. Dans quelques instants, donc, cette séance d'essai comptant uniquement pour l'attribution des places sur la grille départ. Avec le Suédois Arneson, nous trouvons le Finlandais Peltari, nous avons également le Britannique John Welch et le Norvégien Martin Schenker. Et arrive maintenant sur la grille départ Jean-Noël Tavernier. En retour, donc, après 104 ans, mais pour le moment, le principal sera éventuellement de suivre de près les meilleurs, mais surtout, retrouver les bons réflexes. Nous aurons deux escortes, une Porsche, celle de Tavernier, et une Audi Quattro dans cette séance d'essai pour faire le tour. Caresser les pédales, mais monsieur monte déjà dans les tours. Voilà, la dernière attaque maintenant, il regarde les deux sur une des...
Chaud devant, chaud devant. Ça va aller? Ça irait encore mieux si t'avais pas essayé de suivre les pros. Quoi, les pros? Après un tour, je fais quand même le sixième temps, c'est pas si mal. Non, heureusement qu'il y a des potes pour nous prêter un arbre de roue, autrement ton sixième temps... T'es jamais content, quoi. Ouais, bon, bah c'est ça, laisse-nous travailler. Tiens, va plutôt signer des autographes, tiens. T'as vu ça? Sixième temps général. Avec seulement un tour. La meilleure quattro n'est qu'à 7 secondes. Et la voiture sera réparée dans 20 minutes. Tu peux être fier de ton père. C'est bien. Tu peux entrer? Pourquoi t'es pas venu voir les essais? Tu me fais toujours la gueule à cause de ce que j'ai dit sur tes cheveux? T'as quand même pas pris ça au sérieux, tu me connais, je rigolais. Tu veux que je te dise la vérité? Je te trouve terriblement sexy avec ta nouvelle coiffure. Laisse tomber. Oh, j'avais oublié. J'ai acheté ça pour toi. Merci. Tu l'ouvres pas? Bien. Tu m'avais dit que t'en voulais un, non? Oh ouais, c'est bien. Merci. Bon. Qu'est-ce que je peux faire pour que t'arrêtes de faire la tronche? Rien. Dis donc, Manu, tu crois pas que tu pousses le suppositoire un peu loin? Tout le monde se coupe en quatre pour être sympa avec toi, et toi tu joues les enfants martyrs. Merde! Tu comprends que Léo, c'est ça? Je sais pas, je la connais pas. Faut dire que t'as fait un effort énorme pour la connaître. Tu as pas dit bonjour et tu l'as envoyé sur les 11. Allez, fais un geste. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle est pas mal foutue, qu'elle le sait très bien et qu'elle s'arrange pour que tout le monde le remarque. C'est quand même un peu son boulot d'en être belle et de montrer. Oui, mais si elle travaille pas... Si qu'elle sent que tu la regardes, elle pose, elle se fait un sourire jusque-là. T'es dur, hein. Mais regarde. Et là, je peux pas te forcer. Hein. Arrête au moins de me tirer la tronche. Puis demain, viens voir la deuxième séance d'essai. Allez, fiston. On fait la paix. Hein? Allez, Manu. Un petit sourire. Ah non, pas de photo. Un petit sourire, non, Manu. Non. Ces photos. Il y a 10 minutes à entrer du parking. Mais comment il a fait pour nous dénicher ici, celui-là? Je pense qu'il nous a suivis. Et à mon avis, il va pas gêner pour faire un rapport complet à maman. Merde! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? T'as mis dans le mille. Oh merde. Ce coup-ci, ça va pas se passer comme ça. En service commandé ou vous êtes venu nous soutenir moralement? À votre avis? À mon avis, vous allez passer la nuit avec nous. Exactement. Légalement, je peux pas vous empêcher de faire votre seul boulot, mais je vous laisserai pas gâcher mon petit week-end en famille, c'est vu? En famille? Je vous donne un conseil. Vous gardez vos distances et vous vous faites tout petit. Et sinon? Sinon? Oh. Vous mettrez ça sur votre note de frais?
c'est humide et ça caille. Ça tombe bien. J'aborde tout ce qu'il faut. Encore raté. Vous avez dit de vous faire tout petit, vous m'avez pas bien entendu. À votre place, Tavernier, je ne le prendrai pas de si haut. Vous allez peut-être avoir besoin de moi. Besoin de vous? Oh, ça m'étonnerait beaucoup. Regardez votre morgue. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma remorque? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Où est la bagnole? J'en ai pas la moindre idée, Tavernier. Mais où elle est la porte? Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, j'ai rien fait, j'avais fait du tout. Vous êtes là depuis combien de temps? Oh, bah ça fait un bon moment, hein. Vous avez rien vu? Ah, oh, j'ai pas dit ça. Mais il est pas vrai, ce grand con, mais vous allez dire quelque chose, vous allez parler, bordel de cul! C'est vous comme ça, comment je parle? Bon, vite, dites! Je te règle vite! Oh, deux types, j'ai vu deux types. Comment ils étaient? Oh, il y avait un petit malsain en costume et puis un grand vieil tout en cuir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils s'y sont pris? Ils sont venus avec une remorque et puis une Alfa Romeo grise, un coupé. Vous les avez vu embarquer la bagnole et vous êtes pas venu me prévenir? Oh, bah, faut savoir ce que vous voulez, Tavernier, vous m'avez dit de me faire tout petit. Mais il est pas vrai, ce grand con, mais je vais défoncer la tête, merde! Jean-Luc! Fais la gueule! Arrête! Mais la Porsche, bordel, la Porsche, elle est plus là! Tu peux m'expliquer pourquoi on va pas directement chez les flics? Mais qu'est-ce qu'on leur raconterait? T'as le nom et l'adresse des deux mecs? T'as le numéro de la bagnole? Bah non, tu vois, parce que vu les circonstances, j'ai pas vraiment eu l'occasion de demander au garagiste. T'en fais pas, il va se faire un plaisir de nous renseigner, celui-là. Je vais vous coller l'assurance sur le dos! Vous allez pouvoir payer toute votre vie! Vous n'êtes pas un peu malade d'avoir laissé une voiture de ce prix-là dehors toute la nuit avec le coupe-circuit branché? Vous devriez le prendre sur un autre ton, Paludy. Parce que les mecs qui ont piqué la Porsche cette nuit, vous les connaissez, ils étaient chez vous hier. Ils ont même cassé le phare de la bagnole de mon pote. Et si vous me dites que vous n'avez pas donné un appelé avec eux, je vous croirai pas. Comment savez-vous que c'était eux? J'ai un témoin. Il est formel, il les a reconnus? Absolument. Et vous, ça vous fait rire? Ramassez-moi tout ce fourbi! Je vous paye pas pour rien faire! Et vous? Mais quoi, moi? Ben oui, qu'est-ce que vous me voulez? Vous me donniez l'adresse des deux mecs. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais chez les flics et je dépose une plainte. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Venez dans mon bureau, je vais vous la donner. Mais je vous donne un jour pour me la retrouver. Sinon, l'assurance, je vous la colle sur le dos! Tu peux m'expliquer pourquoi on va toujours pas chez les flics? Tu poses trop de questions, Brabham. D'après le plan, c'est la deuxième à droite. T'es sûr qu'on a la bonne adresse? J'en ai bien peur, oui. Apparemment, c'est là. Bon, les filles, si on n'est pas de retour dans une demi-heure, vous appelez la cavalerie? Je passe pas ici, moi. Je suis avec vous. Non, Manu, t'as rien à faire dans ce boui-boui. Ça sera pas long. Allez, on y va, Brabham? Eh ben, c'est bien, comme ça on va pouvoir papoter un petit peu toutes les deux. Hein, Manu? Je dois vous avouer que l'idée ne me passionne pas vraiment. Bah ça tombe bien pour ton phare. On va faire un constat à la mienne. Eh bien.
que je vous sers? On voudrait parler à Pavel Franulovic. Vous avez rendez-vous? Non. Il est pas là? Si vous n'avez pas rendez-vous, vous consommez comme tout le monde. Vous sortez. D'accord? Bon, ben, deux bières. Ah ouais, deux bières. Vous êtes flic? Non. On a un tuyau pour votre patron. Une Porsche de 650 chevaux. Ça devrait l'intéresser. Ne bouge pas, j'arrive. Je crois que tu vas devoir jouer serré si tu veux te faire rembourser ton phare. J'aimerais. Vous nous offrez quelque chose à boire, les petits loups? C'est-à-dire, on est désolé, on a un rendez-vous. Ouais. Un rendez-vous avec maman? Oui, la maman, c'est moi. Excusez-moi, mesdames. Bon, vous allez me dire longtemps ici? Qu'est-ce que vous foutez là? Je vous ai dit de rester dans la voiture. Ah non, non, merci, non. Il vient de se faire accoster 4 fois en 2 minutes et puis t'as fini de tirer la gueule. Alors, brouillez-vous de règles de vos histoires, moi je vous attends ici. La première table à gauche après le coin, c'est celle de Franulovic. Merci. Brabham, tu règles ton problème de phare, moi je vais essayer de faire avancer l'autre affaire. Toi, tu restes là, tu bouges pas. Je cherche Pavel Franulovic. Vous la voulez? Ah non, merci, je suis accompagné. Volcan. Qu'est-ce qu'on disait? J'avais loué une Porsche. Puis on me l'a embarqué cette nuit. Et alors on m'a laissé entendre que vous pourriez peut-être m'aider à la retrouver. On peut vous offrir un verre? Non, merci, on est servi. Dis qu'Adam, si t'as envie de dépenser ton pognon, c'est à nous qu'il faut payer un verre. Non, t'as pas sonné. Si t'es pas contente, tu vas tapiner dehors. Les filles ne paient pas ici, vous n'avez pas remarqué? Non, mais par contre, j'ai remarqué que vous étiez terriblement impoli. Ah bon? Parce que vous tournez le doigt à monsieur, là, derrière, qui a d'ailleurs quelque chose à vous dire. Puisque vous êtes là, ben, je voudrais en profiter pour trouver un arrangement pour mon phare et mes lunettes. Ton phare et tes lunettes? Hier, chez Paludzi, vous m'avez ouvert la porte dans la figure et vous avez reculé dans le phare de ma R4. On a reculé dans le phare de ta R4. Et votre copain, il est avec vous. T'as vu qu'on reculait dans le phare d'une R4, toi? Et ben alors? Bon, écoutez, moi, je veux pas vous faire des emmerdements, mais j'ai des témoins. Alors, si vous voulez pas qu'on s'arrange à l'amiable, je vais être obligé de porter plainte. Mais dis-moi, là, tu nous menaces? Ah non, pas du tout, mais il y a des assurances pour ça, alors je vois pas pourquoi... Mais on si, tu nous menaces! Je vais avoir des sacrés problèmes avec mon père! Manu, je te mêle pas de ça, Manu! Manu! C'est ton père, c'est le trou du cul qui est là-bas au fond, ton père! C'est tombé! Mais trou du cul, Manu, c'est des crapules! Manu, ah, c'est tombé! Mais non, ça suffit pas! T'as vu sa gueule, mais pour qui? Mange, mec! Trou du cul, trou du cul! Et trop de cul! Elle est en dessous de la vérité. Non, mais c'est pas vrai, on t'a déjà dit d'aller taper les gars! Tu lâches pas là! Toi, hein, tu te calmes ou tu sors? T'es de petit quand il est calme ou je fous le camp? Chérie, assieds-toi. Tu sais bien que ce sont des gamins. Des petits connards, comme je disais justement à monsieur. Bon, vous avez la Porsche, vous merde! Quelle Porsche? D'accord. Ne prenez pas la mouche comme ça! Tavernier! Allez! Revenez ici. Cette Porsche que vous avez louée, elle est à moi. Je l'ai vendue à Paludzi, qui ne m'a pas payé ce qu'il me devait. C'est une crapule. C'est un margoulin. Il reverra la bagnole quand il aura craché son pognon. Est-ce clair? Donc vous avez la Porsche? Oui. Je vais vous dire ma façon de voir les choses. Cette Porsche, je l'ai louée. J'ai payé la location et je cours avec demain. Alors vous me la rendez, vous me laissez faire ma course et puis vous vous démerdez avec Paludzi. La foule de vos histoires, d'accord? Et si je vous la rends pas, qu'est-ce que vous comptez faire? Ben, je vais chez les flics et je porte plainte. Vous n'avez rien compris, Tavernier. On accompagne, patron? Non, non, ça va, je connais le chemin. Bon, ça y est, c'est réglé? Non, c'est pas réglé, mais on s'en va. Il y a le grand qui a poussé Brabham de son tabouret et l'autre, il t'a traité de trou du cul. Qui c'est qui m'a traité de trou du cul? Non. Oh, bah, c'était pour rigoler. Elle est dans la bagnole, elle mettait le moteur en marche. Non, non, ça suffit, tu viens avec nous. Oui. On paye et on vous rejoint. Bon, Manu, tu viens? Et vous? On rejoint tout de suite. Allez, viens.
fric? Non. Je le tue, celui-là. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Bah oui, vous voyez bien, je peux pas passer. Et comme ça, ça va? Il est là, votre patron. Je reviens chez Fradulovic. La bagnole est à lui, vous lui devez de l'argent. Qu'est-ce que c'est que cette salade? On règle ça tout de suite, Paludi. Vous voyez pas que je suis occupé? Madame va se faire un plaisir de nouer ce seul un instant. N'est-ce pas, madame? Merci. Je vous permets pas, tavernier. Bon, Paludi, on perd pas de temps, on fait aller tour par votre banque et on va ensemble chez Fradulovic. Il faut que je récupère la bagnole, moi. Je n'ai rien à voir avec ce type. Ça, c'est pas du tout ce qu'il prétend. Oui, il prétend ce qu'il veut. Je m'en fous. Mais je vous ai payé, moi. Vous n'allez pas m'arnaquer, Paludi. Mais il fallait pas vous faire piquer la voiture. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ah, mais vous me prenez comme ça aussi? Je vais chez les flics. Ciao, tavernier. Ciao. Vous n'aurez pas venu, Paludi. Vous laissez aucun effort, ça va se passer très très mal. Mais très très mal. Je vais en reculer. Vous allez en reculer. Tekent u hier en hier en hier. Signé. Voilà, c'est en ordre, monsieur Tavernier. Voilà Tavernier. Pardon? Tavernier. Tavernier. Vanaf het moment dat we in bezit zijn van de ontbrekende elementen, zullen we de nodige stappen verder zetten. Il pourra commencer l'enquête quand il sera en possession des éléments manquants. Quels éléments manquants? Wat zijn die nodige elementen? Ja, we hebben ook dus de naam en het adres nodig van de wettige eigenaar van dat voertuig. Il a aussi besoin du nom et d'adresse du propriétaire légal du véhicule. Mais qui est propriétaire du véhicule? C'est à moi qu'on a volé la voiture. Je veux montrer le contrat de location. Moi, comprends-tu bien, monsieur Tavernier, mais une klacht kan pas ontvankelijk verklaard worden vanaf de moment dat de wettige eigenaar van dat voertuig dus zelf een klacht is komen indienen. In de zaak die ons hier dus bezighoudt, zou dat dus de genaamde Paluzzi Vittorio. T'as compris? Oui, oui. Bon, t'as fini? Ja, ja. Nu zou ik graag van mijn phare spreken, meneer. Je parle de mon phare. Er zijn daar twee bandieten, hè. Ik weet de naam niet meer, maar dat is... T'es sûr qu'il n'y a pas encore une séance d'essai officielle demain matin? Évidemment. Remarque, tu partirais même avec le chrono que t'as fait hier, tu te placerais pas mal sur la grille, hein? Avec quoi? La remorque? Jean-Noël, ça va être tout froid! Pourquoi tu viens pas manger? Là. T'as apporté des pâtes? J'ai pas faim.
sais qu'elle commence vraiment à me gonfler, la famille Tavernier. Hein. Madame qui nous colle un détective au derrière, mademoiselle qui tire la gueule depuis 2 jours. Et maintenant, voilà monsieur qui entame une grève de la faim. Heureusement qu'il y a Brabham, lui au moins il apprécie mes pâtes. Hein. Elles sont très bonnes, tes pâtes. Je sais pas, moi, tu loueras une autre bagnole, tu feras une autre course. Mais en attendant, profite de ce qui est là, ton pote, ta fille, ta nana qui t'aime, si tu veux de plus. Hein? T'as même une caravane pour trimballer tout ça. Ouais, t'as raison, ouais. Allons à la mer, par exemple. Non? Ouais. Je pourrais m'inscrire à une course de charawan. Tu me pompes l'air, t'entends? Bon, j'arrête, excuse-moi. Oh, viens! Ah oui, entre. Je peux vous parler 2 minutes? Ah, vous tombez bien, vous. Comment j'ai me manqué? Je peux entrer? Qu'est-ce que vous me voulez? Vous ne m'aimez pas beaucoup, hein, Tavernier? Bah si. Je suis follement épris de vous. Vous feriez mon boulot pendant une semaine, vous m'épargneriez vos sarcasmes. Ça, c'est le bouquet. Vous voulez me faire pleurer? Je peux m'asseoir? Ah bah allez-y, faites comme chez vous, installez-vous, tenez. Vous avez faim? Ça va, tiens. Voilà, allez. Alors? Votre bagnole? Elle est chez le garagiste qui vous l'a louée. J'ai pas lui dit? Exactement. Et comment vous savez ça? C'est mon métier de tout savoir, Tavernier. Oui, mais pas de venir le raconter à un mec que vous êtes en train de fliquer. C'est absurde. Pourquoi vous me dites ça? J'ai mes raisons. Mais encore? Ben, disons qu'il y a quelqu'un qui essaie de faire du business derrière votre dos. Et en plus, ces deux types qui ont volé votre voiture. J'aime pas tellement leur style et encore moins leur procédé. Alors, je règle mes comptes. Je dis ça, je dis rien. Hein. Allez. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il fait pour que tu le frochetons? Bravo, ramène-toi. Mais où tu vas? Ramène-toi, je te dis. Tu restes assis, Brabham. Je veux savoir où tu vas. Bon, tu viens ou tu viens pas? Oui, ben j'arrive. Hein. Ceci dit, j'aimerais bien savoir où on va quand même. Mais t'occupe, monte, allez. Je te préviens que si tu retournes là-bas, je serai plus sûr quand tu reviendras. Mais comment tu peux rester là sans bouger, toi? Non. J'estime que mon père est suffisamment adulte pour savoir ce qu'il fait. Va jeter un œil par le trou de la serrure. Allez. On voit rien, évidemment. En plus, je suis sûr qu'il n'y a rien à voir. Il t'a monté un bateau, ton détective. Possible. Ça coûte rien de vérifier. Bon, on rentre. Je me demande où sont passés chocolat et chips et gaufres que j'avais mis dans ce placard. Tu les as pas vus? Je les ai mangés. T'as tout mangé? Ouais. Mais enfin, tu plaisantes, il y avait au moins 2 kilos de sucreries dans ce placard. Ben oui, je sais. Bah alors? Bah alors, quand je somatise, bah je mange tout ce qui me tombe sous la main. Ah bon? Tu somatises? Hier, ouais. Aujourd'hui, ça va mieux. Tu avais des problèmes? Oui, mais ça me regarde. Oui. Ouais, bah moi, je te comprends d'autant mieux que je suis en pleine crise.
Bon, je t'emmène manger dehors. Ça te va? Non, non, j'ai plus très faim. Mais tu me regarderas manger? Ben, je préfère attendre mon père ici. Ok, comme tu voudras. T'es ici toute seule, le soir? Non. T'es sûre? Écoutez, je vous ai dit non à leur merde, foutez-moi la paix! Ok. Bah, si tu me prends sur ce ton-là, moi, je te demande plus rien, hein. Dis-moi, est-ce que tu as fouillé dans mes affaires? Emmanuel, je viens de te poser une question. Est-ce que tu as fouillé dans mes affaires? Non. Écoute, ces chemises étaient sous cette veste. Et mes soutiens-gorge étaient au fond de ce sac, ça j'en suis sûre. Alors c'est tout de même pas Brabham ni Jean-Noël qui ont aussi mes soutiens-gorge. Ici on voit le même les voitures, hein, n'importe qui peut entrer dans la caravane. Je déteste qu'on se dise de moi! Voilà deux jours que je me casse le cul à essayer d'être gentil avec toi, j'ai même pas eu droit à un quart de gentillesse. Non mais pour qui tu te prends, toi? Mais pour personne, j'ai pas demandé à vous voir. Eh ben moi oui, j'ai demandé à te voir. Parce que je pensais que ça allait pouvoir arranger les choses. Et que ça faciliterait notre vie à tous. À commencer par celle de ton zigomar de père. Ben, je vois que je me suis fourré le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parce que t'es aussi borné que lui. Oh, puis moi j'en ai marre. Moi je rentre chez moi. Et la prochaine fois que tu as envie de fouiller dans mes affaires, tu me demandes d'abord la permission. D'accord? Est-ce que tu m'as comprise, oui ou merde? Oui. Très bien. Croise les mains. Oui. Lâche pas. J'ai pas une bonne prise. Je suis pas assez haut. Tu diras à ton père que le break est chez moi. Merci. Manger avec vous. Jean-Noël, arrêtons cette folie, s'il te plaît. On va jamais y arriver. Mais si, on va y arriver. Allez, croise les mains. Allez. Passe-moi ta torche. Passe-moi ta torche. Elle est dans la voiture. Bah, va la chercher. T'aurais pas pu le dire plus tôt, Godfoudon. Allez, mec, toi, je vais pas passer la nuit là, moi. Comment vous faites pour garder votre ligne en mangeant autant? Bah, je gerbe. Comment? Bah ouais. Je me mets deux doigts au fond de ma gorge, puis je vomis. Ah non, ça se pratique beaucoup chez Manka. Vous vous moquez de moi, hein? Tu sais, c'est tellement un métier loufoque qu'il faut bien compenser quelque part. Alors pourquoi vous continuez? Pour le B, évidemment. Ah bon? Parce que mon père m'a dit que... Vous aviez eu des premiers rôles dans des films importants. Il t'a dit ça? Ouais. Les grands rôles? Ah, c'est jamais pour moi. De la vie générale, j'ai du talent. Hein? Vous faites un génique. Vous faites quoi? Vous faites un génique. Mais quand ils doivent se décider, ils mettent en scène. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Tiens! Un metteur en scène un jour, je crois que j'étais trop plate pour le rôle qu'il me proposait. Bah pourtant, de ce côté-là, vous n'avez pas à vous plaindre. Moi, je n'ai plus à me plaindre. Vous savez pourquoi? J'ai pris type au mot. Je suis allée voir un toubib. Il m'a amélioré mon tour de poitrine. Ah bon? Voilà, tiens.
Tu vois. Tiens, tu vois là. Là. Et là, deux petites cicatrices. Bah, c'est là qu'ils ont fourré la silicone. Voilà. Hein? C'est bien fait, puis ça se voit pas. Oh, ouais, c'est pas mal. Hein? Sauf que je suis couchée avec moi vers le haut. Et toi, il paraît que t'as des problèmes avec Chrétien. Ça, c'est mon père qui vous l'a dit. Ouais. Ben, j'aurais dû m'en douter. Hein. J'ai vraiment rien lui confier. Donc, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ben, il y a droit qui est un peu plus petit que l'autre. Fais voir, là. Ben non, écoutez, c'est personnel, je les montre à personne. Oh, arrête ton char. Tiens, un type qui regarde pas. Ben allez, vas-y, quoi. Allez, vas-y. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ben, ils sont chouettes. Et à ton âge, moi, j'avais rien du tout encore. Ouais, mais ça n'empêche qu'il y a le droit qui est plus petit que l'autre. Ben alors, c'est normal, ça. 9 nanas sur 10 commencent comme ça, puis après, ça se tasse, hein. Eh, tu peux me croire? Tu vas avoir une sacrée peur de Lolo, ma grande. Parce que je me suis en deuil avec ton père. Moi, je devrais m'en foutre. Ça devrait me passer par-dessus la tête. Oh. Et vous allez faire ce que vous avez dit? Ce que j'ai dit. Donc, s'il partait avec la voiture, vous serez plus là quand il rentrerait. Qu'est-ce que tu feras à ma place, toi? Je sais pas, hein. C'est difficile de mettre à votre place. Puis en plus, j'ai un point de vue très personnel sur les rapports de couple. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je pense que la passion et le quotidien sont difficilement conciliables. Et tu te passes sur l'expérience de tes parents pour dire ça? Non, non. C'est mon expérience personnelle. Dire, quand on voit un garçon tous les jours, ben à la fin, il n'y a plus de mystère. Enfin, mystère disparaît. Ah. Oui, mais alors, si je comprends bien, faudrait que je voie ton père moins souvent. Ben non, justement. Parce que dans le cas de mon père, c'est totalement différent. Ah bon? Et pourquoi? Parce que mon père, vous voyez, ben, il n'a pas que des qualités. Mais il a une classe folle. T'es fou, faut prévenir les flics. On l'embarque tout de suite, dans une heure, elle sera peut-être plus là. Allez, va, va, je te retrouve devant. Mais n'en est pas question. Arrête, arrête. C'est pas vrai, merde. T'as pas vu qu'on arrive au volet, non? Bah non, je sais plus, moi. Ça va, elle a rien. Allez, t'as vraiment des jours t'es glands, hein. Allez, pousse ça maintenant. Ça va, ça va. Arrête. Ça passe. Que ça? C'est un amortisseur, ça? À mon avis, c'est un pneu crevé. Je vais voir. C'est ça, on y a plein. Oh, merde. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va chauffer, hein.
Alors, sous votre siège, j'ai une lampe. Vous la prenez, vous venez m'aider, ok? Bon. Reprenons le tout à zéro, hein? Prise de vitre. Vol avec préméditation. Flagrant délit, double effraction et fausse déposition. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je peux fumer, monsieur le commissaire? Papa va pas être content si on arrive à priver. Sarah, tu t'en tires? C'est bon, là. J'ai bientôt fini. Et vous, ça va mieux? Non, pas très bien. C'est la première fois que je vois une fille réussir à changer une roue de bagnole toute seule. Et moi, c'est la première fois de ma vie que je vois une fille qui mange un Fujiyama, une crêpe de gaufre et des profiteroles en un seul coup. Vous êtes Victor Panotti. Vittorio, monsieur le commissaire. Vittorio. Vous reconnaissez ces deux individus-là? Oui, monsieur le commissaire. Est-ce que vous décidez de déposer plainte contre eux? Ça va? Je n'y arrive pas. Vous voulez un coup de main? Non, trois doigts, c'est le maximum. C'est vite. On a deux mois à se dire, je crois. Vous êtes le roi des emmerdeurs, Tavernier. Bah oui, mais je suis pas le roi des cons. J'ai parfaitement compris votre petite combine. Vous êtes allé chez Franulovic, et puis vous l'avez payé avec l'argent de ma location. Et puis vous avez récupéré la Porsche. Et ça, vous étiez pas prêt de venir nous raconter. Vous avez trouvé ça tout seul? Parce que vous étiez sur le point de maquiller la voiture, pour la vendre sous le manteau, et toucher le pactole au noir, et puis en clair, l'argent de l'assurance. Double bénéf, les doigts dans le nez. Et après? Vous n'avez aucune preuve de ce que vous racontez là. Par contre, vous, vous avez été pris en flagrant délit chez moi, en train de voler ma voiture. C'est une crapule, Paludi. Laisse tomber, Jean-Noël. Je n'ai pas porté plainte. Et demain, vous récupérez la voiture. Alors, ne faites pas l'imbécile. Vous avez vu, il y a Papa et Brabham qui viennent de passer. Oh non, j'ai rien vu, je suis trop malade. Je peux conduire jusqu'au circuit si vous voulez. T'es folle? Bah pourquoi, il y a 2 kilomètres et c'est tout droit. Non, non, attends. Dans 2 minutes, ça va aller mieux là. Déjà là? Oui, je suis déjà là, ouais. Tu sais l'heure qu'il est? Pourquoi, il est tard? Il est 3h du matin, Emmanuel. Vous avez trouvé la Porsche? Oui. On va la chercher demain. Où elle était? Bon, d'où vous sortez? On allait manger une glace. À cette heure-ci. On a eu un pneu crevé au break. T'es interdit de rouler sur route ouverte. Si tu t'étais fait arrêter par les flics, c'est moi qui étais responsable. Tu peux comprendre ça? Mais Cléo était malade et elle pouvait pas conduire. Qu'est-ce qu'il y a, Cléo? Une indigestion carabinée. Ah oui? Et ça explique que tu te payes un tête-à-queue là au milieu du camping en pleine nuit? Bah oui, ça explique. Tu prends comme ça? Bah c'est bien simple. Tu toucheras plus un volant avant 18 ans. T'attendras, tu feras comme tout le monde. T'es compris? Je vais dormir dans la tente avec Brabham. Tu pourrais peut-être aller voir Cléo. Je crois qu'elle a besoin de toi.
va? Non, non, laisse-moi, je suis malade. Tu veux faire quelque chose? Non, non, va-t'en, je t'en prie. Cléo. Je t'aime. Vous êtes Avergny et Jean Nobel? Oui, c'est moi, oui. Police communale. Il est 5h06. Nous sommes désolés de vous réveiller, mais nous venons constater un flagrant délit d'adultère. En principe, nous devons pénétrer dans le lieu pour faire les constatations d'usage, mais vous pouvez éviter toutes ces tracasseries inutiles si vous reconnaissez les faits et que vous signez le procès-verbal. C'est une formule habituelle. Vous pouvez le lire? Le signe où? Là. Monsieur Tavernier, merci pour votre bonne collaboration. Thank you.
n'avais pas cassé le moteur, je dirais même que t'étais super. Un détail. Et toi, Brabham, tu viens pas me faire un gros câlin? Non, Brabham, il vient pas faire un gros câlin. Brabham, il va nettoyer la purée de bielle et la salade de soupape que monsieur vient de nous mijoter. Eh, oh, oh, tu vas pas faire le rabat-joie? J'ai quand même gagné une manche, non? C'est une grande victoire sur moi-même. Ouais, ça te fait une belle jambe. Va voir le classement final, tu seras même pas dedans. T'as pris une mauvaise habitude chez les professionnels, mon vieux, hein. Tu vas faire l'acrobate devant le public en délire, tu fais trinquer la mécanique, puis après, tout le sale boulot, c'est pour Bibi, hein. T'es pas dans un team d'usine, ici. Tu veux que je te dise la vérité? Ah, tu veux que je te dise la vérité? T'es mieux qu'une équipe d'usine à toi tout seul. Je te fais vraiment cet effet-là. Oh, merde. Ouais, ce coup-ci, tu laisses tomber tes craves. D'accord? C'est à toi, cette bagnole? Tu me laisses régler ça à l'amiable? Oh, bah, je t'en prie. Écoutez, je n'ai pas porté plainte contre vous, donc on a un point partout, on est égalité, vous êtes d'accord? Alors on se serre la main et on s'arrête là, d'accord? Ok? Oh non, vous êtes cons là, vous êtes cons, la merde, les mecs, vous êtes cons! Elle est même pas à moi cette bagnole, je vais me faire virer moi! Tiens! Oh merde là, vous êtes cons là, non, merde là, merde! Oh merde là, merde! On est OK? T'as vu, c'est pour moi, hein? J'ai rien fait, t'as vu, hein? Tu veux que j'aille leur parler, là? Laisse. Faut pas trop pousser, Brava. T'as vu un peu ce qu'il leur a mis? Ouais. Finalement, c'est un grand nerveux. Hein? Ouais. Pourquoi tu t'arrêtes? Décrocher la remorque. Tu nous vois arriver chez ta mère en tirant ça? Point où on en est. Vaut mieux éviter les provocations inutiles. Ça va, Brabham? Si t'arrives à bouger, tu viens me donner un petit coup de main? T'es pas soigneux avec tes affaires, hein? Avoir prêté votre blouson. Non, non, garde-le. Il te va mieux à toi qu'à moi. Ah bon? Merci. Je sais pas quand je vais pouvoir vous le rendre parce qu'après tout ce qui vient de se passer, je crois que ma mère va faire un barrage et on va plus pouvoir se voir avant pas mal de temps. Bah, j'irai te chercher à la sortie des classes. Puis on ira manger des gâteaux. Ok? D'accord.
pense que vu ce qu'il vient de raconter à maman, t'as pas intérêt à venir dire bonjour. T'as les jetons? Non, mais je crains que toi, tu sois pas bien accueilli. Tu me laisses faire, ok? Ok. S'il te plaît, je voudrais te parler. Anne-Marie, je peux te voir deux minutes. Manu, va dans ta chambre, s'il te plaît. Tout ce que tu pourrais me dire, on me l'a déjà raconté. Tu as joué, tu as perdu, tu n'es pas en position de revendiquer quoi que ce soit. Ouais, ça ne me donne pas le droit de refuser de m'accorder deux minutes. Ça me donne tous les droits. Maintenant, je voudrais qu'on me laisse manger en paix, alors va-t'en. Anne-Marie, ma chérie... Papa, je t'en prie, ne te mène pas de ça. Bon. Ben, je vous laisse. Bonsoir, madame. Bonsoir, Henri. Je t'avais prévenu. Tu as laissé Manu rencontrer cette fille. Je prouverai que cette traînée de moralité douteuse. Tu ne verras plus ta fille qu'aucune goutte et tu la verras ici. Tout ce que tu pourras lui dire, je serai là pour l'écouter. Ses fréquentations, c'est moi qui les choisirai. Est-ce que tu m'entends? C'est tout? Non, c'est pas tout. Tes retards de paiement, c'est terminé. Les frais de justice, tu les auras à tes guêtres. S'il le faut, je te mettrai sur la paille, mais la pension alimentaire, tu vas la cracher jusqu'au dernier sou. T'as compris? Oh, ma chérie, t'es pas tant. Bien. La fumée ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Pour le tête à queue d'hier soir, je passe l'éponge. When I was quite young, and my dear mother left me when
I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Don't you cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody. C'était donc gros.